Good morning, allez, Daniel, ici sur aujourd'hui, le Nishmat, Machlouf, Micha, Ben Masouda, Nachman, Yosef, Ben Nachum, Avram, Yochai, Norbert, Ben Fortuna, Mazaldov, Ben Yudit, Yakov, Simen, Hanam, Moshe, Michal, Ben Machlouf, et Peggy, Batester. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions Masechet Meila, Perek Vav, Mishnah, Hei, Amafkid, Maot, Etzel, Ashulchani, Im Tzrorin, Lo Ishtamesh Bahem. Le Fikach, Im Rotzi, Maal, Im Mutarim, Ishtamesh Bahem. Le Fikach, Im Rotzi, Lo Maal. Et celle bas la baït, ben kachou, ben kach, lo ishtamesh baem, et fikach imotzi maal. Achen veni ke bas la baït, divré Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, kashulchani. On continue à parler, bien sûr, de la singularité de l'interdit de Meïla, que dans Meïla, yesh, shaliach, lidvar evera. C'est-à-dire, dans toute la Torah, lorsque j'envoie quelqu'un, je demande à quelqu'un de faire une avera pour mon compte, et qu'il transgresse la avera, eh bien, c'est lui qui encaisse les conséquences, c'est lui qui se fait frapper au Bedin, c'est lui qui est condamné à mort, c'est pas moi. Parce que En Shaliach Ledvavera, on ne peut pas nommer d'émissaire pour faire une Avera. Dans l'interdit de Meïla, spécifiquement, les sacrilèges, il y a une halakha particulière, qu'on apprend donc dans tout ce Perek 6, que Yesh Shaliach Ledvavera, c'est-à-dire que si je donne de l'argent du Ekdesh, de l'argent qui est sanctifié, je le donne à un Shaliach pour aller m'acheter quelque chose, lorsqu'il va l'acheter, cette chose-là, eh bien, je transgresse l'interdit de Meïla. Même si c'est lui qui dépense, malgré tout, c'est moi qui transgresse l'interdit. Et on va parler, donc on s'est intéressé dans ce Pérec, dans ce chapitre, à toutes sortes de situations. Est-ce que on considère que ce qu'il a, l'action réalisée, entre dans le cadre de la mission pour laquelle il a été envoyé, ou bien est-ce qu'il est sorti du cadre? S'il sort du cadre, eh bien, c'est le chaliard qui transgresse, parce que c'est sa propre initiative, c'est lui qui fait la vera. S'il fait ce que je lui ai demandé, c'est ma avera. On va à présent découvrir qu'en réalité, il y a une petite finesse dans l'interdit de Meïla, c'est qu'en fait, lorsque je suis condamné, moi, l'envoyeur, c'est pas qu'en fait, que l'action qu'il va réaliser, c'est parce que je lui ai demandé de la faire. Mais c'est plutôt parce que c'est moi qui ai donné mon accord, c'est moi qui ai donné mon feu vert pour que cette action soit réalisée, eh bien, c'est moi le fautif. D'accord? Une petite nuance, je ne sais pas si vous avez perçu, mais dès qu'on va voir l'exemple, vous allez comprendre ce que je veux dire. Et c'est pour ça qu'on commence tout de suite à traduire. Amafkid Maot et Sela Shulchani. Celui qui met en dépôt de l'argent chez le Shulchani. Le Shulchani, c'était le changeur de monnaie. Ouais, le change. Le changeur, donc. Il fallait. Il y avait une fonction spéciale à l'époque de faire de la monnaie aux gens. Il y avait plusieurs sortes de pièces. Ce n'était pas des pièces décimales où on avait les centimes qui se réunissaient pour faire des shkalim ou des euros. Mais c'était plutôt, il y avait des pièces en argent, des pièces en or, des pièces en bronze. Et donc il fallait à chaque fois les... il y avait donc des changeurs. Donc ça c'est un shulchani. Donc j'ai mis en dépôt de l'argent chez le shulchani pour qu'il me le garde. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le Shulchani, on sait tous bien qu'il change l'argent. Quand il a besoin d'argent, il cherche l'argent. Alors, sur ça, la Mishnah me dit, Im tzrorin ishtamesh bohen, lo ishtamesh bohen. Si l'argent que je lui ai donné, elle est fermée, scellée, ouais, tzrorin, c'est quelque chose qui est tzarour, c'est qui est scellé. Donc, la Mishnah me dit, ben, lo ishtamesh bohen. Il ne pourra pas l'utiliser. Le Bartanura précise que on parle que c'était fermé avec un kécher, avec un nœud qui montre que j'ai pas l'intention qu'il l'utilise. Je continue le cas, et la qui en découle est le deuxième cas, peut-être on explique un peu mieux. Les fikar im hotzi mal, c'est pour cela que si il a dépensé, hotzi c'est qu'il a fait sortir, donc il a dépensé, il aura transgressé l'interdit de Meïla, le changeur. Par contre, im mutarim, si je lui ai donné la bourse qui était ouverte, ou qui avait juste un petit nœud, mais très simple à ouvrir, que ça montrait que j'accepte qu'il utilise l'argent, en l'occurrence, eh bien, il aura le droit de l'utiliser, et en l'occurrence, les fikar imhotsi maal. C'est pour cela que s'il va dépenser cet argent, eh bien, ce sera le changeur qui va transgresser l'interdit de Meïla. Et on explique un petit peu mieux de quoi ça parle. C'est très simple, c'est une halakha de Roshen Mishpat, qui implique une halakha de Ilchot Meïla. La question de base, c'est, lorsque je lui donne, je dépose ma bourse chez un changeur d'argent. Or, le changeur d'argent, on sait très bien qu'il a toujours besoin d'argent. Donc, de ce fait, est-ce qu'il a mon accord
tacite que s'il a besoin, il pourra utiliser mon argent ou non. Si à mon accord tacite, parce que l'action, le fait de déposer de l'argent avec une bourse qui n'est pas forcément fermée, ça implique que tacitement, je lui dis, ben, si tu as besoin, tu utilises. D'accord? Donc dans ce cas-là, d'un point de vue Choshen Mishpat, il aura le droit d'utiliser l'argent, ce ne sera pas un voleur. Il aura le droit d'utiliser l'argent, et donc c'est quelque part que je lui donne le feu vert pour qu'il utilise l'argent. De ce fait, lorsque lui va dépenser cet argent, je vais transgresser l'interdit. Il ne va pas transgresser l'interdit de Mila, c'est le mot écrit pour le moment. Après, on va apporter une petite précision, donc c'est un peu plus délicat. Mais en tout cas, la Mishnah m'enseigne tout d'abord en me disant, tu sais, si tu as bien fermé le nœud, de manière à ce que tu montres que tu ne veux pas qu'il l'utilise, donc tu déposes en dépôt parce que tu veux qu'il le garde uniquement, mais pas pour qu'il le dépense. De ce fait, s'il va l'utiliser, c'est lui le voleur. Et si, lorsqu'il va l'utiliser, donc s'il va l'utiliser, c'est lui le voleur, même si ce n'est pas de l'argent qui était kadosh, de ce fait, lorsque c'est de l'argent qui est kadosh, donc, et qu'il va utiliser, c'est de son propre gré, c'est son problème à lui, moi j'ai pas donné mon accord, de ce fait, c'est lui qui transgresse l'interdit de Meïla. Maintenant, je continue le cas de la Seifa qu'on vient d'expliquer, en apportant une précision importante, une halakha compliquée qui est dans le Dante Noir. Que si le nœud il est ouvert, alors ça signifie que je lui permets de l'utiliser. Si je lui permets de l'utiliser, la Mishnah dit juste les fikachimotsi l'omal. C'est pour ça que s'il va dépenser l'argent, le changeur, eh bien l'omal il ne va pas transgresser l'interdit de Meïla. Mais la question de base, elle est bon. Lui, il ne transgresse pas l'interdit. Mais est-ce que moi, je transgresse l'interdit? Et là, il y a un grand problème. C'est que la Gemara, elle dit dans Baba Metzia que bien évidemment, que celui qui dépose l'argent va transgresser l'interdit. Le Bar Tanoura ici, il nous dit que celui qui a déposé l'argent ne transgresse pas l'interdit. C'est à partir du Rambam que c'est interprété de la sorte. Ouais, vous avez compris le cas. C'est-à-dire, je lui mets de l'argent de manière à ce que, apparemment, ça prête à confusion, il comprend que je lui permets de l'utiliser, ou bien même, je lui permets franchement même de l'utiliser en fait. Et lorsqu'il va dépenser l'argent, eh bien, ni lui ni moi n'allons transgresser l'interdit. Et c'est compliqué à expliquer. Il y a un très long Tiferet Israël qui propose un pirouche. On ne va pas trop rentrer dans les détails. Peut-être quand même le principe général, je vous le donne. C'est qu'en réalité, en fait, en hébreu, ça se dit Nafal ben Akisaot. Il est tombé entre les deux chaises. C'est-à-dire, c'est vrai que lui, il n'est pas fautif lorsqu'il dépense l'argent. Mais malgré tout, moi, je n'ai pas donné mon accord pour qu'il dépense l'argent. Parce que j'ai juste donné une bourse qui était fermée avec un nœud, mais pas un nœud franchement scellé. Donc en fait, j'ai pas donné le feu vert, et lui, il a cru que le feu, il était devenu vert. Donc en fait, lui, il n'est pas fautif, c'est moi qui l'ai induit en erreur, sans que moi, je lui ai demandé de dépenser l'argent malgré tout. Donc de ce fait, cette situation, elle fait que ni lui ni moi ne transgressons. D'accord? C'est à peu près ce qui est écrit. De là, on apprend quand même un point important que je vais mettre en évidence, c'est que l'interdit de Meïla Béchlichout, c'est pas que je lui dis de faire l'action. Dans une shliachout, en général, je te demande de partir acheter telle chose. Donc tu es parti acheter la chose pour moi. Là, c'est pas que je suis parti. L'action qu'il va faire quand le Shulchani va se mettre à donner l'argent pour récupérer autre chose, c'est pas qu'il le fait pour moi. Mais c'est qu'il le fait avec mon aval, avec mon accord. Et ça suffit pour me condamner. Vous voyez, c'est une shliachout un petit peu plus nuancée. Dans une shliachout, en général, l'action qu'il fait se rapporte à moi. Là, l'action qu'il fait elle se rapporte à lui. Mais puisqu'elle est faite avec mon aval, c'est moi qui ai donné le feu vert pour faire cette action, donc c'est moi le fautif. Et c'est pour ça que je suis condamné. Donc je ne suis pas condamné parce qu'en fait, il a dépensé l'argent pour moi. Je suis condamné parce qu'il a dépensé l'argent avec mon accord. D'accord? C'est la petite nuance qu'on déduit de là. Deuxième partie de la Mishnah, à présent avec plus un changeur, mais un changeur d'argent, mais avec tout simplement un monsieur tout le monde. Et Tsel Baalabait. Donc il a déposé l'argent en dépôt chez un balabaït, quelqu'un qui veut chez lui tranquillement à la maison. Il a dit, tu peux me garder ça, il lui a déposé une bourse. Alors la Mishnah me dit, ben kar ou ben kar, lo ishtamesh bem. Que ce soit ainsi ou que ce soit comme ça, il ne pourra pas l'utiliser. C'est-à-dire que la bourse était fermée ou que la bourse était même ouverte. Quelqu'un qui vient me dire, tu peux garder cette enveloppe, et une enveloppe elle est ouverte, et je vois qu'il y a plein de billets dedans, je n'ai pas le droit de l'utiliser, même pas pour faire de la monnaie, pour rien du tout. De ce fait, puisque je n'ai pas le droit d'utiliser, si c'était de l'argent qui était kadosh, s'il va dépenser cet argent, eh bien, c'est lui qui va transgresser l'interdit. Moi-même, le gardien chez qui ça a été mis en dépôt, parce que tu n'avais aucune raison de dépenser l'argent. Donc, lui, quand il m'a déposé l'argent, même une enveloppe ouverte, il n'y avait pas de feu vert pour dépenser cet argent. Il ne cautionne pas l'acte.
Donc c'est moi qui suis condamné. La Mishnah continue en me disant maintenant. Khenvani. Khenvani, c'est l'épicier. D'où la question. On met de l'argent en dépôt chez un épicier. C'est pas un changeur d'argent. Il n'a pas le même flux. Mais c'est pas non plus un simple gardien qui n'a pas du tout de rapport avec l'argent. C'est quelqu'un qui est un peu entre les deux. Des fois aussi, on vient changer de l'argent chez le Khenvani. C'est pas son boulot essentiel. S'il est dépassé par des clients, il va vous remballer. Mais malgré tout, des fois, cela arrive aussi un peu dans son temps libre, il s'occupe un peu de changer, d'aider les gens, de leur faire un peu de la monnaie, et de prendre sa commission dessus, bien sûr, bien évidemment. Mais malgré tout, ce n'est pas son occupation principale. Alors maintenant, son activité principale. Donc la Mishnah me dit, qu'est-ce qu'on fait avec le Khenvani, l'épicier? Kebalabait, il a le même statut qu'un simple gardien d'ivraie Rabbi Meir, tel est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Oda Omer Kachulchani. Rabbi Oda nous dit non, le Khenvani, puisque en cas de nécessité aussi. Il utilise l'argent, donc quand je lui dépose de l'argent, c'est un certain feu vert qu'en cas de nécessité, tu pourras l'utiliser. De ce fait, lorsqu'il va dépenser l'argent, c'est avec mon accord et c'est moi le fautif. Et donc, Kachulchani, c'est comme le Shulchani, c'est comme le changeur d'argent, qu'on condamnera le propriétaire, l'envoyeur de l'argent. Celui qui a transmis l'argent, c'est lui qu'on condamnera d'un interdit de Meïla. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov Sela.